s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quand est-ce que 50 va changer. Regardez son dernier post. Eh, hey, c'est un malade 50. Il a dit quoi en légende? Quoi que tu fasses, sois la meilleure dans ce domaine. Si tu dois être une Lobsa, sois la meilleure Lobsa. Le travail acharné et le dévouement à chaque session, girl power. Eh, hey, les gens, ils étaient morts dans les commentaires. Enfin bref, passons aux news parce qu'il y en aura énormément dans cette vidéo. Ça va aller très 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 vite, donc soyez bien attentifs. Il y a du Travis Scott, il y a du JFG, il y a du Orelsan. Je crois que c'est la première fois que je parle de cet artiste sur ma chaîne YouTube. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Alors, la news sur JFG, c'est qu'il vient d'être condamné à 2 ans de prison. Il a plaidé coupable pour possession d'armes. Folio vient d'annoncer que le beef entre lui et Wabi Namir était réglé et qu'ils allaient collaborer ensemble. Pour ceux qui ne savent pas, les deux rappeurs étaient en beef depuis 2017. Polo G vient de dévoiler la tracklist de la version deluxe de son album Hall of Fame. T'as du Lil TJ, NLE Choppa, Young Liv, Money Bag Yo, Lil Baby. Depuis avant-hier soir, l'album Civilization d'Orelsan est diffusé à Times Square. Le frère de Danny Lay, ça n'a pas changé, il est toujours sur les côtes de DaBaby. J'ai une très mauvaise nouvelle pour les fans de Travis Scott. Son album Utopia, qui est tant attendu, sera repoussé à l'année 2022, voire 2023. C'est pas fini pour les news sur Travis Scott. Il y a Chuck D qui s'est exprimé sur la situation de Travis. Je ne peux pas croire qu'on en est au point où je dois préciser ça. Travis Scott est un performeur, pas un promoteur de concert. Ce n'est pas lui qui décide d'éteindre le son, qui contrôle les lieux, le staff. Il ne construit pas de scène, ne s'occupe pas de logistique, n'est pas un expert en gestion de la foule ou en sécurité ou en soins médicaux. Mais Live Nation et tous les autres organisateurs aurait dû s'occuper de ça. Il dit aussi qu'il est fatigué de voir toutes ces entreprises fuir leurs responsabilités quand il y a un drame. Il a aussi dit qu'on jette le jeune noir, en gros il fait référence à Travis Scott, en pâture aux médias et aux tribunaux, pendant que les vieux blancs qui dirigent Live Nation, Apple Music et d'autres, eux, bah, sont bien tranquilles, ils n'ont pas de problème. Certains avocats se sont exprimés sur la situation de Travis le 19 novembre. Alors, il y en a un qui dit « Je pense que cela serait exagéré de tout mettre sur le dos de Travis Scott. » Il y a un autre avocat qui est d'accord avec ça et qui pense également que cela va être très difficile de prouver la responsabilité de Travis Scott devant les tribunaux. Car un plaignant devra prouver que Travis a directement incité à la violence. Pour cet avocat, le comportement sur scène de Travis ou le contenu de ses paroles ne sont pas des preuves suffisantes pour se présenter devant les tribunaux. Pour qu'il soit inquiété, il faudrait qu'il ait une conduite spécifique qui aurait incité aux incidents. Qu'a-t-il fait à Astroworld cette nuit-là? C'est la question que les tribunaux se poseront. En résumé, Travis sera mis hors de cause dans cette affaire, tant qu'aucune preuve ne sera révélée. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Travis Scott. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présenté, il y en avait quand même pas mal. Orelsan, Polo G, Chuck D, Travis Scott et d'autres. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.